a souffert Ponce Pilate, a été crucifié. Entre le moment de la sentence et la crucifixion, s'insère le chemin de la croix. Notre Seigneur part donc pour son chemin de croix, portant sa croix, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire portant son patibulum, portant cette partie verticale de la croix. Le cortège s'élance. Les évangiles sont extrêmement discrets sur ce chemin de croix. Ils notent deux choses, les synoptiques, c'est-à-dire saint Matthieu, saint Marc et saint Luc, notent tous que Simon de Cyrène a été réquisitionné pour aider notre Seigneur. Et puis saint Luc ajoute cet autre fait des femmes pieuses que notre Seigneur rencontre et qu'il console. Ce sont les deux seules choses qui sont mentionnées dans l'Évangile, Simon de Cyrène et les femmes pieuses. Et pourtant la tradition nous rapporte d'autres événements. Et la tradition n'est pas négligeable, car elle fait partie des sources de la révélation. Donc ce que nous dit la tradition est un enseignement que nous devons tenir. Et cette tradition, nous la retrouvons dans la pratique pieuse du chemin de croix que nous faisons dans nos églises, et tout particulièrement le Vendredi Saint. Le chemin de croix est composé des 14 stations, depuis la condamnation de notre Seigneur par Pilate jusqu'à la mise au tombeau. Donc de cette première station à cette 14e station se trouvent ces deux événements de l'Évangile, et la tradition a jugé bon de maintenir les autres événements que nous allons voir. Tout d'abord, notre Seigneur donc prend sa croix et puis s'avance dans la ville et s'avance lentement, difficilement. Il est épuisé. C'est ce qui va occasionner une première chute. Notre Seigneur tombe une première fois sous le poids de la croix. Alors ces chutes sont impressionnantes parce que notre Seigneur tombe épuisé au sol, comme il porte sa croix ou qu'il y est probablement attaché par des chaînes difficiles de se retenir avec les mains. Donc sa tête doit heurter le sol, très certainement. En même temps, notre Seigneur est très probablement attaché par des liens aux gardes qui sont autour. Et c'est l'occasion pour eux de le maltraiter à nouveau, soit pour essayer de le relever, soit même pour le flageller encore. Et puis l'encourager à avancer, si l'on peut parler d'encouragement. Et donc la première chute de notre Seigneur. Après la première chute, et toujours dans la ville, notre Seigneur n'est pas encore sorti, il croise peut-être un croisement de rue, il croise sa Sainte Mère. Notre-Dame, la très Sainte Vierge, est là, qui voit ce cortège passer, elle voit les deux larrons, et au même niveau que les deux larrons, elle voit son Fils, qui est en même temps son Dieu. Quel glaive de douleur a dû transpercer l'âme de la très Sainte Vierge à la vue de son Fils bien-aimé, qu'elle adorait en toute vérité, parce qu'il était aussi son Dieu, et qu'elle voit là, défiguré, portant l'instrument de son supplice et se rendant sur le Golgotha. Quand le vieillard Siméon a prédit à la très Sainte Vierge qu'un glaive de douleur la transpercerait, la très Sainte Vierge savait les souffrances qu'elle devrait endurer, mais elle n'imaginait certainement pas le poids de cette souffrance. Alors Notre-Dame croise le regard de son Fils, et bien sûr notre Seigneur a un regard pour sa Sainte Mère. Et ce regard est plein de tendresse, sans aucun doute. Et le regard de notre Seigneur dit à Notre-Dame, certainement, « Je sais ce que vous souffrez, mais je vous associe à ma passion. » Et par ses souffrances, Notre-Dame participe d'une certaine façon, c'est entendu, à la passion de notre Seigneur. On l'appelle en toute vérité Notre-Dame de compassion, du latin cum patire, qui signifie souffrir avec. Et Notre-Dame unit sa souffrance à celle de notre Seigneur. Deux regards, mais une seule et même douleur, un seul et même cœur, on peut bien dire, un seul et même amour. Alors donc que notre Seigneur a croisé sa mère et qu'il vient certainement de se relever de sa première chute, on s'aperçoit qu'il a du mal. Et c'est à ce moment-là que les évangélistes notent la venue de Simon, le Cyrénéen. Alors, c'est aussi assez incroyable aussi parce que les évangélistes qui notent ce fait manifestent encore plus clairement l'historicité de la chose, puisque saint Marc révèle
que Simon de Cyrène est bien connu, c'est le père d'Alexandre et de Rufus. Donc on peut faire témoigner quelqu'un. Ceux qui disent que notre Seigneur n'a pas existé, que cette passion n'a jamais existé, là s'opposent directement à un fait historique bien relevé. Simon de Cyrène, qui revient donc des champs, certainement il rentre ou manger ou se désaltérer, peu importe, enfin il rentre des champs, innocemment le pauvre. Il arrive après quelques heures de travail, de labeur même, et il se dit « bon ben je prends un peu de repos ». Et là, il croise un cortège, ça n'est pas la première fois qu'il voit un cortège, parce que des crucifiés, il y en avait certainement déjà eu. Mais là, cette fois, chose tout à fait inaccoutumée, on demande à Simon d'aider ce malfaiteur à porter sa croix. Et donc Simon, très certainement par crainte, hein, quand il y a toute une cohorte autour de notre Seigneur qui vous demande un service, on n'ose pas s'opposer à une cohorte entière. Alors, probablement par crainte, peut-être aussi de bonne volonté, peu importe, l'évangile ne nous dit rien, mais en tout cas, Simon obéit. Il porte la croix avec notre Seigneur. Il aide notre Seigneur à porter sa croix. Et c'est absolument merveilleux ce fait. Notre Seigneur est venu porter nos péchés. Voilà pourquoi il y a un homme qui a porté la croix, parce que cette croix qui est le salaire du péché, c'est le salaire de nos péchés. Donc nous devons participer, nous aussi, à la croix de notre Seigneur. Et donc notre Seigneur, en faisant participer Simon, le Cyrénéen, encourage et engage tous les hommes à participer, c'est-à-dire à porter leur croix. Que celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et notre Seigneur a pris la plus grosse partie de la croix, mais il nous a laissé quelque chose à prendre. Et Simon, le Cyrénéen, ici, représente ce que doivent faire tous les hommes. Porter leur croix à la suite de notre Seigneur, mieux, en union à notre Seigneur. Simon aide un peu, donc notre Seigneur, et dès qu'il s'aperçoit que notre Seigneur va mieux, bon, bah, il se dit maintenant, il est parti, moi je dois rentrer dans la ville, donc je prends mon chemin inverse. Et c'est à ce moment-là, ou un tout petit peu plus tard, qu'une femme, sur le bord de la rue, qui, entre deux soldats, aperçoit notre Seigneur défiguré, exsangue, faible, pâle, livide, et se demandant si vraiment il arrivera à aller jusqu'au bout, prise de pitié, ose braver cette soldatesque, passe entre deux soldats romains, et va jusqu'à notre Seigneur, prend son voile, et avec son voile, essuie la face de notre Seigneur. Et ce geste de charité a été récompensé puisque Jésus-Christ a voulu laisser l'empreinte de sa sainte face sur ce voile. Cette femme s'appelle Véronique, Sainte Véronique, c'est ainsi qu'on l'appelle, et cela vient du grec « vera icône » qui signifie « véritable, vraie image ». Donc Véronique porte le nom, justement, de ce qu'elle a fait, ou plutôt de ce qu'elle a reçu de notre Seigneur, la véritable image de la face de notre Seigneur. Notre Seigneur récompense tous les plus petits actes de charité, et il l'avait dit lui-même dans l'Évangile. Et là, cette femme, qui n'a pas eu de respect humain, a été récompensée de sa charité. Malgré l'aide de Simon le Cyrénéen, malgré le soulagement qu'a pu apporter cette femme à notre Seigneur, eh bien, la croix est lourde, et puis il y a tellement d'heures que notre Seigneur souffre qu'il tombe une deuxième fois. C'est la deuxième chute de notre Seigneur. Et là, tout comme la première chute, notre Seigneur a dû être certainement molesté, maltraité. Il fallait qu'il se relève, il fallait qu'il continue et qu'il aille jusqu'au bout. Et les Juifs ne voulaient absolument pas qu'il meure avant, il fallait qu'il mourût crucifié. Alors notre Seigneur se relève péniblement en nous montrant l'exemple de la persévérance et continue son calvaire. Quitte la ville, passe la porte de la ville, et puis là se retrouve sur un chemin peut-être un peu pierreux et la montée difficile qui va vers le calvaire. Et c'est là, avant ou après la porte, je ne sais pas, l'Évangile ne dit rien. En tout cas, le fait nous est quand même rapporté par Saint-Luc. C'est à ce moment-là que
notre Seigneur croise ces femmes qui pleurent. Et il était interdit d'avoir pitié des malfaiteurs. Donc il était interdit de pleurer sur un condamné. Et là, ces femmes n'ont pas peur, si l'on peut dire, de pleurer. Et elles pleurent et se lamentent sur le sort de notre Seigneur. Et la chose admirable, notre Seigneur ne pense plus à lui, il pense à ses femmes. Et il console les filles de Jérusalem. C'est la citation suivante dans notre chemin de croix. Notre Seigneur est plein de compassion. Il souffre, c'est vrai, mais il souffre pour nous soulager de notre misère qu'est le péché. Et ce soulagement, il le manifeste d'une façon toute particulière ici, en consolant les filles de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Et l'on peut entendre par enfant le péché. Car il viendra des jours, dit notre Seigneur, où l'on dira « Bienheureuses celles qui sont stériles et bienheureuses celles qui n'ont pas engendré. » Et on dira aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Recouvrez-nous. » Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec ? Le bois vert, c'est lui-même. Le bois sec, c'est ce bois qui brûle facilement. Et notre Seigneur fait ici allusion par le bois vert à son innocence et au bois sec par l'âme pécheresse. Et il dit, si moi on m'a traité comme ça, comment sera traité le pécheur? Et là, il y a une allusion aux fins dernières. Et notre Seigneur manifeste la gravité et l'horreur du péché. Voilà donc comment notre Seigneur console les saintes femmes, les femmes de Jérusalem. Et puis, voilà, il quitte la ville et puis remonte très légèrement. Il reste peu de chemin à faire, mais c'est difficile parce que cela monte, justement, et vers le Golgotha, et notre Seigneur tombe une troisième fois. Il n'est pas très loin, il n'est plus très loin du lieu du supplice. Alors, on le traîne, certainement. Oh, il se relève aussi, mais c'est difficile, il peine. Alors, on le tire, probablement, et on en profite encore pour le molester. Et après avoir chuté cette troisième fois, notre Seigneur se dirige, il lui reste quelques pas à faire, vers le lieu de son supplice. Il arrive ainsi au Golgotha, son chemin de croix est terminé, mais alors va commencer la grande tragédie. L'homme-Dieu va être mis à mort.